Chers amis, bonjour, bienvenue sur la page des Malouins dans la course. C'est une véritable performance technique aujourd'hui. Nous avons en direct à la fois depuis Saint-Malo, monsieur le maire de Saint-Malo, monsieur Gilles Lurton. Merci beaucoup, d'avoir assisté et d'avoir accepté cette invitation. Nous avons depuis la Guadeloupe, et je les en remercie du fond du cœur, monsieur Harry Durimel, qui est maire de Pointe-à-Pitre. Merci infiniment d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes accompagné d'Henri Bistoquet, qui est membre de la Commission culture et patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre. Au milieu, pour ceux qui le connaissent déjà, mais peut-être pas tout le monde, j'ai le plaisir d'avoir François Thomas, qui sera le grand témoin de cette interview. François Thomas, journaliste spécialiste des Caraïbes. Monsieur le maire de Saint-Malo, c'est un événement important. Vous êtes ville de départ ici à Saint-Malo, alors que nous aurons le maire de Pointe-à-Pitre comme ville d'arrivée. Qu'est-ce que vous avez comme message à donner à nos collègues de la Guadeloupe aujourd'hui ? D'abord, saluer mon collègue maire de Pointe-à-Pitre, que j'ai eu le plaisir d'avoir en visioconférence il y a quelques jours, lui dire que les choses se passent très très bien à Saint-Malo. Nous avons une foule immense, c'est vraiment un événement exceptionnel. 138 bateaux au départ, j'espère 138 bateaux à l'arrivée à Pointe-à-Pitre. Chers collègues, tu pourras les accueillir et je serai très heureux d'être avec toi. Eh bien, je suis très heureux de t'entendre, cher collègue. Je t'ai vu lors d'une émission télévisée, un reportage qui a été fait sur une télévision de Guadeloupe et j'ai senti qu'effectivement, il y avait une forte énergie et qui se rassemblait, qui allait déferler sur nos côtes de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. Et donc, nous attendons impatiemment à l'arrivée et l'énergie, l'engouement qui s'exprime à Saint-Malo, vous ne serez pas déçus à l'arrivée puisqu'il y aura une foule et un engouement pareil à Pointe-à-Pitre. Super. François. Monsieur le maire, alors je m'adresse à monsieur Harry Durimel, le maire de Pointe-à-Pitre. Le départ n'a pas encore commencé, mais je sais que vous serez au diapason avec Saint-Malo le 6 novembre prochain, puisqu'il y aura, comme chez vous, Place de la Victoire, et puis au Memorial Act, il y aura des grands écrans pour suivre ce départ en direct. C'est pour ce qui est vous-même, votre premier mandat de maire qui avait dans votre portefeuille cette course qui arrive chez vous. Vous allez la vivre très intensément. Vous connaissez la route de Rome. Vous étiez déjà à Saint-Malo au départ en 2010. Est-ce que vous la vivez autrement? Quels seront les effets marquants chez vous pour cette arrivée à la fin novembre? Eh bien, c'est vrai que l'expérience que j'ai eue en 2010 et en tant que conseiller régional et en tant que simple citoyen guadeloupéen ne sera pas la même cette fois-ci, puisque là, je suis engagé et je sens peser sur moi la responsabilité de réussir cette édition. C'est le plus gros événement que nous ayons eu à organiser depuis notre arrivée aux commandes de la ville. Donc, il y a une telle attente aussi des Pointe-Trois qui, comme les aventuriers de cette frégate, voient aussi Pointe-à-Pitre comme un peu le phare de la Guadeloupe, de la Caraïbe. Beaucoup de nos voisins des îles qui nous entourent viendront aussi à Pointe-à-Pitre et les Guadeloupéens eux-mêmes sont déjà naturellement attirés vers cette ville qui est le centre de la Guadeloupe, qui se situe entre les deux ailes du papillon qui illustre notre île. Donc, je me sens un peu la responsabilité du chef d'orchestre, de celui qui va recevoir autant de monde. Donc, pour moi, il y a une petite anxiété de s'assurer que tout va bien se passer. Mais nous avons suscité de l'adhésion populaire. Nous avons voulu que ça sera un événement participatif, que les citoyens s'approprient. Et c'est pour ça que nous sommes appliqués à prendre contact avec le maire de Saint-Malo pour qu'au-delà de l'événement, que nous puissions pérenniser une relation qui puisse aller jusqu'au jumelage entre nos deux villes, nos deux collectivités, qui procure au départ et à l'arrivée tant de bonheur aux gens que cela ne doit pas être un coup d'épée dans l'eau, ça ne doit pas être une affaire d'une seule fois, mais d'un sentiment, puisque nous sommes une ville littorale, Saint-Malo aussi, et il y a des éléments d'histoire qui nous rapprochent.
Et donc, tout cela, nous voulons le voir fleurir et faire qu'au-delà de l'arrivée de la route du Rhum, que nous puissions partager l'expérience de la mer, le développement durable, puisque je suis un écologiste et la mer offre tellement d'opportunités auxquelles nous avons tourné le dos jusqu'à présent. Et je souhaite que, à travers la route du Rhum, que les points 3 mesurent toutes les opportunités qu'offre cette position géographique que nous avons au bord de l'eau. Donc, je me sens partenaire du maire de Saint-Malo et des Malouins sous cette opération. Monsieur le maire de Saint-Malo, après cette belle déclaration du maire de Pointe-à-Pitre, une réaction tout de suite. Oh ben écoutez, les liens d'amitié entre Pointe-à-Pitre et la ville de Saint-Malo, il faut bien sûr toujours les conforter. Ils sont déjà très, très forts par l'intermédiaire de cette 12e édition de la Route du Rhum. C'est de dire si nous avons eu l'occasion d'entretenir des relations ensemble. Moi, je suis prêt à m'entretenir avec mon collègue maire de Pointe-à-Pitre de tout cela. Nous avons prévu de nous voir lors de mon passage à Pointe-à-Pitre à partir du. Allez, je ne sais pas quand est-ce que va arriver le premier bateau. Hein. J'aurais bien aimé faire les cérémonies du 11 novembre à Saint-Malo. C'est important pour moi parce que je sais que quand on est absent à ça, les anciens combattants n'aiment pas trop. Mais j'ai peur que le premier bateau arrive avant. Hein, mais en tout cas, je promets à mon collègue que je serai à ses côtés pour l'arrivée du premier. Super. À côté de vous, monsieur le maire, vous avez allez, Henri Bistoquet qui est un grand ami de Saint-Malo. Henri, on est ravis, on se tutoie dans la vie, on va continuer à l'écran. Henri, c'est un grand moment pour toi, cette rencontre par les réseaux sociaux de nos maires respectifs. C'est une première, mais ça veut dire que ceux qui ont tracé le sillon jadis. Je parle de Félix Proto, je parle de Loïc Frémont, je parle de René Coineau, je parle de tant d'autres. Nous sommes dans leurs traces et les réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui de vivre des choses en direct et de partager les émotions véritablement. Donc, c'est un point de départ. Espérons que nous n'allons pas attendre 4 ans pour nous tenir dans les bras, pour nous embrasser et pour construire, parce que c'est Malo a tellement de choses. Sur le plan culturel, les étonnants voyageurs, la route du rock, le carnaval, l'opération en été sur les folklores du monde, etc., etc. Donc, je suis malouin, voilà, je suis guadeloupéen et malouin. Une petite question peut-être, François. Oui, la petite question, c'est juste parce qu'on n'a pas tout dit. Il y a effectivement un village qui s'ouvre, celui de la Marina, c'est vendredi 12, hein, monsieur le maire, à Pointe-à-Pitre. Alors vous-même, vous pariez sur le fait que les ultimes seront déjà là le 12-13. Il y a un record à battre, hein, Françoise. Hein, il ne faut pas oublier que le dernier record, c'est Francis Joyon. C'était quand même l'édition précédente. 7 jours, 14 heures, 21 minutes, 47 secondes. Oui, la question est posée, est-ce que monsieur le maire de Saint-Malo aura le temps pour les cérémonies du 11 novembre? Et est-ce que l'avion arrivera à temps aussi pour le premier ultime? Sachant que, pour rappeler pour les gens qui nous suivent, lorsqu'on va en Guadeloupe sur cette édition, comme les précédentes, on ne va pas directement à Pointe-à-Pitre, mais on fait le tour de la Guadeloupe de façon à ce que justement toutes les populations, toute la Guadeloupe se sentent, comme disait monsieur le maire de Pointe-à-Pitre, unies et rassemblées autour de cet événement. Absolument, il y a la bouée de Basse-Terre. Lorsque les bateaux arrivent dans notre région, il faut passer par le chef-lieu administratif qui est Basse-Terre, où il y a la préfecture, et pour contourner la bouée et venir sur Pointe-à-Pitre. Et dans de précédentes éditions, on a eu l'occasion d'assister à des prises de bec au finish, où il se passait encore des choses, où le classement pourrait encore être modifié par le parcours, le sprint final. Donc, effectivement, nous sommes prêts, nous espérons que le maire de Saint-Malo aura le temps d'arriver et que la vitesse, que la technologie moderne permet maintenant aux navires de pouvoir adopter, que cela sera compatible avec les cérémonies du 11 novembre et autres. Mais même s'il y en avait un qui arrivait avant ou en même temps que lui, la fête va durer cette fois-ci. Nous avons sur la Darse, qui est un des plus beaux plans d'eau du territoire, et également sur un autre village, à Loïcis, qui est un port de pêche un peu plus populaire.
Et donc, entre la marina où les navires pourront rester et où il y a l'habitude de voir de beaux paquebots, de beaux engins, et donc où la marina de Bas du Fort a déjà une pratique plus soutenue des frégates, il y a aussi la Darse qui est près de la place de la Victoire, qui est un lieu mythique où les bateaux viendront et où le maire, nos invités, pourront goûter aux 1000 saveurs du village que nous avons créé sur ce site également, où nous donnerons également le lancement de l'accueil des visiteurs se fera sur la place de la Victoire, qui se situe devant la sous-préfecture. C'est un lieu mythique où les Guadeloupéens expriment leur joie et leur peine, où il y a eu autant de rires que de larmes sur cette place. Et cette place a vraiment une force symbolique qu'on ne pouvait pas éviter à l'occasion de cette Coupe du Rhum, dont une bonne partie se passera à proximité du Mémorial Act, qui est encore un autre édifice de portée internationale qui attire aussi beaucoup de visiteurs. En tout, pour vous dire, c'est vraiment une grosse fête, une méga fête qui se prépare. Et comme l'a dit mon ami Monsieur Henri Bistoquet, qu'on appelle Bise, vu son activité d'abeille et vu son activisme qui a permis à cet entretien d'avoir lieu. Et bien, nous savons qu'il y a déjà des ponts entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre. Il y aura des auteurs malouins qui viendront partager leurs œuvres avec nos auteurs guadeloupéens. Donc, l'activité du nautique à l'intellect, ça sera vraiment une approche holistique que nous vous proposerons Merci, à l'arrivée à merci. Pointe-à-Pitre. Merci, Monsieur le maire. Le mot de la fin, Monsieur le maire de Saint-Malo, Monsieur Lurton. Eh bien, écoutez, vraiment, moi, je suis toujours très heureux de rencontrer mon collègue maire de Pointe-à-Pitre, même par les médias interposés. Voilà, je le redis, hein, ici, il y a vraiment quelque chose, un vent qui souffle. Je baptisais le bateau d'un skipper chinois, hein, qui me disait que ce baptême était suivi par 200 à 300 millions de personnes en Chine, hein, et c'est Saint-Malo. J'ai parlé de la Guadeloupe, j'ai parlé de Saint-Malo, et vraiment, il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se passer. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai juste envie de vous dire pour le mot de la fin que ici, on est tous Guadeloupéens, on est tous Malouins. C'est une fête magnifique, c'est une fête entre nous, mais tellement belle et tellement porteuse de belles choses. Avant de nous séparer, je voudrais remercier particulièrement les services communication de la ville de Pointe-à-Pitre, qui Soraya, Jimmy, ils ont été formidables. Évidemment, Henri, formidable pour l'organisation de cette émission. Je voulais remercier particulièrement également les services techniques de la ville de Saint-Malo qui nous ont beaucoup aidés dans cette organisation et tout particulièrement aussi François Thomas qui assure la réalisation complète de cette émission. Merci, merci à vous tous. Merci Françoise. Oui, Merci merci, beaucoup. oui. Merci à vous. Merci, merci à vous et Et à très bientôt pour de c'est nouvelles nous aventures. qui vous remercions. Merci, chers collègues. À très vite. Merci, oui. Merci, Merci. merci. Voilà. Au revoir. Au revoir.